Je suis très clair là-dessus. Ce gouvernement, avec moi, Vervoort, Gauzin, des autres, on est très clair. On veut une ville pour des gens et pas une ville pour des voitures. Et ça demande des choix. Oui, ça a des conséquences sur l'espace public. Il faut oser des choix. J'entends certaines parties de Bruxellois, souvent conservateurs, souvent liés à la noblesse, souvent un maire, dire « Ah, on veut toute la voiture, on ne peut plus relier avec nos Porsche Cayenne entre la ville de, l'hôtel de ville. » Est-ce que vous ne caricaturez pas ? Mais il faut parfois caricaturement aussi. Mmh. Et moi, je suis toujours très nuancé. La voiture, ma liberté. Mais en réalité, c'est devenu la voiture, mon embouteillage. On doit comprendre qu'il faut partager la voiture, qu'il y a des alternatives, il faut un changement de comportement. Et beaucoup de problèmes qui sont liés à la mobilité aujourd'hui sont justement liés à un manque de vouloir ou de pouvoir changer du comportement. Donc on a pu voir ici que le ministre de la Mobilité est clairement anti-voiture. On a pu voir que il demande simplement qu'on change de mentalité et qu'on prenne des alternatives. Et des alternatives, il en propose deux. Un, les transports en commun. Deux, le vélo. Le vélo est assez compliqué sur Bruxelles parce que c'est une ville qui est quand même très pentue. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Ça rend l'exercice assez sportif. Et c'est pas non plus une toute petite ville. Parfois, on doit quand même faire des longues distances qui ne sont pas toujours évidentes à faire en vélo. Donc, forcément, il nous reste l'option numéro 1, les transports en commun. Et je vais vous démontrer ici que c'est vraiment pas une alternative hyper bien foutue. Donc on va prendre comme point de départ la maison ici. Et on va dire qu'on veut aller au Cora d'Anderlecht par exemple, faire quelques emplettes, rien de plus normal. Ce Cora d'Anderlecht qui se trouve à 17 minutes en voiture. Cora d'Anderlecht qui se trouve à 17 minutes en voiture et également à 1h04 en transport en commun. Ce qui nous fait quand même un gros 3 fois le temps. On va prendre un autre exemple, disons que je veux aller dans un restaurant qui se trouve du côté d'Ouattermal-Boisfort. Donc nous ici on est au nord de Bruxelles et on va aller au sud-est. Nous pouvons voir clairement qu'en voiture on a le choix entre 27, 28 et 30 minutes. 27, 28 ou 30 minutes, une petite demi-heure en général. Et si on fait la même chose en transport en commun, on en a tout simplement pour 1h15. Ça, c'est l'alternative proposée, donc les transports en commun, vous voyez vraiment que c'est une alternative complètement pourrie. Et alors maintenant, essayons d'aller, donc on va prendre encore un autre itinéraire. On a été une fois à l'est de Bruxelles, on a été une fois au sud-est, maintenant on va aller en plein centre. Toujours départ de la maison ici, on veut aller au centre-ville, quartier des Antiquaires, près de la Grand Place, il fait beau, on a envie de profiter un peu, d'aller boire un verre. Ok, en voiture, on met 19 minutes. Et en transport, bim, 47 minutes en transport. Donc de nouveau, au moins le double du temps. À un moment, moi je veux bien changer ma mentalité et prendre des alternatives, comme c'est si souvent dit en politique. Mais à partir du moment où les alternatives sont vraiment nulles, je vois pas pourquoi la politique doit continuer à nous obliger à le faire. Être anti-voiture à Bruxelles, c'est
complètement à l'inverse de ce que les Bruxellois peuvent se permettre de faire. Parce que si c'est pour commencer à perdre des heures et des heures dans des transports en commun, d'abord mal foutus, beaucoup moins confortables évidemment que sa voiture, parce qu'on n'a pas la radio, on n'a pas son petit chauffage en hiver, on doit généralement marcher 10-15 minutes quand il pleut, quand il fait froid, c'est quand même pas super super fun. Y a un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions et se dire, ok, à la place d'être bêtement anti-voiture, un, améliorons peut-être les transports en commun, si c'est pas faisable, laissons peut-être les voitures circuler et se garer plus facilement. Il y a des itinéraires pour lesquels les transports en commun sont relativement simples, et fort heureusement encore, mais il y en a malheureusement pas des masses. La plupart des itinéraires en transport en commun sont hyper chiants, parce qu'on doit changer entre un bus, un tram, un bout de métro, le métro n'est que très peu développé dans Bruxelles. S'il vous plaît, arrêtez de nous dire qu'il faut changer de mentalité. Il faut d'abord commencer par changer les alternatives en elles-mêmes. Et je pense qu'à partir de là, on pourra peut-être commencer à discuter sur le retrait éventuel des voitures. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez des alternatives qu'on propose, si vous en avez. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de la politique de Monsieur Smet, clairement. N'hésitez pas à m'écrire tout ça, je lirai ça avec grand intérêt. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Très bientôt. Salut, ciao. Say you like that. If I hate you, then find someone.